On a toujours tendance à penser que ce qu'on a créé ou ce qu'on a développé est un bébé chéri et qu'on a du mal à s'en séparer. Il faut réussir à passer le cap et il n'y a rien de tel que de se faire accompagner par quelqu'un de tiers pour dédramatiser cet acte difficile qui est celui de céder ou cet acte difficile qui est celui de racheter avec des appréhensions qui sont opposées. Et c'est tout l'intérêt d'acteurs comme Acticam qui ont pu m'aider moi, mais aider également le cédant dans capacité à déchirer la page quelque part, et non pas uniquement à la tourner, mais vraiment à la déchirer, ce qui est beaucoup plus difficile. Pour en écrire une nouvelle. Pour en écrire une nouvelle, tout à fait. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie d'Antoine Vallée, dirigeant d'Exeis Conseil. Alors Antoine, merci de nous recevoir. Merci à vous. Présentez-nous d'abord Exeis Conseil. Alors, le cabinet Exeis Conseil est un cabinet de conseil opérationnel qui aide les entreprises dans tous leurs projets de transformation. Il y a de la digitalisation, on en parle beaucoup, mais il faut bien que l'entreprise s'adapte. Exeis fait en sorte que ces projets aboutissent et soient un succès pour les entreprises. Nous avons créé Exeis Conseil avec un certain nombre d'associés. Et puis un des associés fondateurs, qui était majoritaire, a décidé de partir en retraite. J'ai présenté un projet à mes autres associés pour reprendre et continuer finalement l'activité d'Exeis avec une continuité managériale. La négociation est toujours un peu compliquée quand il y a de l'affectif et on se connaissait bien puisqu'on était associés, on a travaillé depuis longtemps ensemble. Donc j'ai souhaité faire appel à un intermédiaire qui m'aide à réaliser cette opération, à la fois dans la phase de négociation et puis après dans la phase de recherche des financements pour réaliser l'opération. Bien, Acticam nous a apporté le professionnalisme qu'ils ont mis dans toutes les phases, à la fois dans la lettre d'intention, dans la négociation sur le prix. Et ensuite, Acticam nous a apporté son réseau. Son réseau, alors à la fois en réseau de partenaires, puisque quand on fait une opération, il faut des avocats, mais aussi d'un point de vue audit. Puis le deuxième axe, il fallait trouver les financements et vendre le dossier. Et là, Acticam a bien joué le rôle d'intermédiaire avec ses financiers qui ont permis de boucler l'opération. Alors Acticam, on ne s'arrête pas là parce qu'effectivement, on s'est bien entendu et ça se passe bien. À l'heure actuelle, Acticam m'accompagne dans des recherches de cabinets à racheter pour faire grandir Exeis Conseil. Merci. Je vous en prie.